Thank you.
Bon anniversaire, Thomas. Thomas, c'est celui avec lequel je suis allé débarder du bois. Et puis scier des plateaux de hêtre, il n'y a pas longtemps, je vous mets un petit lien pour ça. C'est super bien sorti, je suis super content. Le mariage de l'ébène avec le laiton et puis l'acier ancien, ça va vraiment super bien. Je suis très très content. J'ai quand même à améliorer ma technique de forge, enfin j'ai pas forgé mais de trempage. J'avais demandé conseil à mon cousin Emmanuel Verdier qui est forron, c'est-à-dire qu'il est non seulement forgeron mais il est producteur de minerai de fer, producteur artisanal. Et je vous mets des liens en dessous, il fait des stages et tout ça, si vous voulez aller faire de la forge, c'est avec lui qu'il faut le faire. C'est un super gars, c'est un passionné, c'est un fou. Donc voilà, si vous êtes dans le fer ou si vous avez envie de vous y verser, allez faire un tour sur le lien en dessous. C'est lui qui m'a conseillé par téléphone. J'ai malheureusement, avec mon petit but à gaz, j'ai pas pu chauffer assez l'acier pour faire une vraie trempe. Ça pourra être fait plus tard en isolant avec un chiffon humide, en isolant la partie basse, le manche, et en chauffant comme il faut. Mais ici, je n'ai pas de quoi chauffer ça, de contrôler la chaleur là sur cette partie-là. Peut-être que j'irai faire un tour chez lui et puis il me refera une trempe et un affûtage. Ça pourrait être mieux que ça. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très bien sorti. Mon frère qui est charpentier, ben voilà, il pourra s'en servir. Ou il pourra le poser quelque part chez lui, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Voilà. Quelques précisions aussi sur la fabrication. J'ai mis à la fin de l'huile de camélia dessus, ça prévient l'oxydation de la lame. Et puis au début, je l'avais passé à l'acide phosphorique, ce qui prévient aussi l'oxydation. Ça crée cette couche un peu dorée, un peu dorée, qui est du plus bel effet, mais qui est aussi qui produit une protection efficace contre l'oxydation. L'acide phosphorique s'attaque à l'oxyde de fer en priorité et crée une couche de quelques microns, je crois que c'est 5 microns en surface, qui est partiellement partie quand j'ai affûté la lame, mais sur l'ensemble du fer, elle est toujours là. Je voulais remercier aussi Bosch qui joue le jeu avec moi dans l'atelier métal en me fournissant des outils. La disqueuse, elle est vraiment superbe. Le système de change automatique des lames, ça c'est un vrai bonheur. Et puis le fait que ça soit sur batterie, c'est un vrai bonheur aussi. Et je voulais parler de deux opérations que Bosch lance cette fin d'année. Il y a Bosch, il n'y a pas photo, ça c'est jusqu'à la fin du mois de juin. C'est réservé aux professionnels, désolé pour les autres, hein, mais voilà, il y a moyen d'obtenir des outils gratuitement. Vous suivez le mode d'emploi dans les liens en dessous. Et puis il y a aussi une autre aide de la part de Bosch ainsi que d'autres partenaires fournisseurs d'outils ou de matériaux avec VI Pro. C'est pareil, c'est pour lutter contre les effets du Covid et de la crise économique. Ils se sont mis ensemble pour faire découvrir le matériel et puis nous aider, nous les artisans. Donc c'est pareil, vous allez en dessous, vous suivez le mode d'emploi et puis si ça vous intéresse, ben voilà, vous vous inscrivez. Merci de votre attention et à très bientôt. On va se retrouver dès la semaine prochaine avec Boris Belland qui vient m'aider à poser la bluterie. Salut. Ça va être un chouette moment. Et puis j'ai attaqué aussi la caravane. Pour l'instant, il y a la structure du châssis et je vais attaquer les bouts de bois dessus. Et je voulais remercier aussi tous les contributeurs Tipeee de ma chaîne. C'est grâce à eux, entre autres, que j'ai pu me racheter de l'éclairage vidéo. Et voilà, c'est formidable. Plus tard dans l'année, je voudrais remplacer le Lumix GH4 par un Lumix S1. Ça va améliorer encore la vidéo. Et puis voilà, j'ai quelques soucis entre le GH4 et le GH5 sur l'équilibre des couleurs, sur la façon de filmer. Enfin voilà, la qualité, je passe un temps fou à corriger tout ça. Je pense qu'avec un S1, ça sera mieux. Et puis l'optique qu'ils fournissent avec est franchement géniale. Allez, à bientôt et merci à tous. Allez, ciao.